Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on fabrique une table de salon. Bien, pour la fabrication de cette table, je vais la faire en hêtre massif avec du scié poncé. C'est ce que j'utilise comme bois. J'ai déjà utilisé dans une autre vidéo qui était la fabrication du meuble de TV. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Alors, pour ce meuble, pareil, on va utiliser ce hêtre massif. La particularité de cette table, c'est une table toute simple. Vous verrez les outillages que je vais utiliser, c'est quelque chose de tout simple. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle aura un plateau amovible qui va se relever vers nous. Parce qu'en fait, quand on fait un plateau télé et qu'on mange devant la télé, ben on est toujours courbé. Là, c'est le système qui vient relever un peu le plateau pour qu'on ait une hauteur un peu plus haute pour nous manger. Alors, c'est ce système-là que j'ai acheté sur Amazon. Ça, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Donc, nous, elle sera repliée comme ceci, vous voyez, dans la position classique. Et avec une légère pression sur le plateau, on viendra, hop, amener le plateau vers nous à une hauteur un peu plus grande. Là, moi, j'ai fait un petit croquis pour prendre quelques côtes. On dessine ça au tableau et ensuite, on va venir déligner, raboter et assembler tout ça. Alors, pour la fabrication de cette table, moi, j'ai que quelques contraintes. En fait, ce que je souhaite avoir, c'est que le plateau supérieur, qui sera bien sûr divisé ici à une partie. Ça restera la partie fixe pour avoir une structure fixe à l'arrière. Moi, la cotation ici, c'est une table qui va faire 600, 1100. Voilà, quelque chose de tout simple. En dessous, je vais avoir un cadre. Voilà. Où là-dedans, j'aurai mon système ici à l'intérieur de repli. La cote ici, il nous faut 100 mm. Moi, je mets un fond ici de contreplaqué 10 mm. Pareil, ça va me permettre d'avoir une structure très rigide. Et là-dedans, on pourra ranger 2-3 trucs. Donc, en fait, j'ai une autre contrainte ici qui est de 110 mm. Et dessous, nous, on a quelques poufs pour les enfants. On a deux poufs pour mettre leurs jouets. Et là, ici, j'ai une cote de 360 à respecter. Donc, avec tous ces éléments, quand vous faites votre conception de quelque chose, bah vous prenez en compte cet élément-là, la hauteur du plateau ici, elle n'est pas très grave, mais elle fera à peu près 22, 22, 23. C'est du scié poncé de 25, donc au rabotage, souvent je tombe vers du 22, 23. Et là, pour l'assemblage, moi ici, on va mettre des chevilles à bois et une vis de chaque côté pour avoir une bonne rigidité. Vous allez me dire, oui, mais on va voir les vis. Ce n'est pas très grave, car après, ils seront recouverts des pieds en U, comme ça. Et ça viendra recouvrir ici sur le côté. Du coup, on ne verra pas ce système-là. Vous voyez, quelque chose d'assez simple. Allez, j'en ai terminé pour les explications. Maintenant, on passe à la fabrication.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc, comme vous pouvez voir, cette petite table de salon, donc ça y est, en hêtre massif. La finition, moi, huile de lin, essence de térébenthine. Bon, voilà, nous, c'est l'aspect qu'on aime bien. Ça va s'éclaircir là avec le temps, petit à petit. Ça devient de plus en plus clair, avec un front un peu jaunâtre quand même. Donc, pour la manœuvre, bah, vous voyez quelque chose de tout simple ici, avec le mécanisme de repli. Vous trouverez pareil le lien dans la description juste en dessous de ce mécanisme. Donc vous voyez, on arrive et c'est quand même très costaud parce qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. Elle ne bascule pas. Ça permettra ici de se positionner à deux personnes pour manger. Et pour la replier, bien sûr, on pousse. Et hop, voilà, la table est repliée. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.